What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play The Last of Us. Alors attendez, je m'installe bien. Voilà. Et j'entends presque rien là sur mon sur ma télé. Ouais, c'est mieux là. Alors, donc on est chez Bill. On va un petit peu récupérer tout ce qu'on peut parce qu'apparemment ça avait pas sauvegardé ce qu'on avait récupéré. Ou alors il y a eu un spawn. Je sais pas, en tout cas c'est un des deux. Donc on récupère, voilà. Alors, on peut se fabriquer une arme de mêlée améliorée. C'est ce qu'on va faire. Non, on va se fabriquer du soin. On peut plus. Et ok. Alors, rayon du moins écoute, temps de confection. On va plutôt se monter à santé maximum quand on pourra. Et c'est parti. On va commencer à aller au garage. Allez, déjà, on commence la vidéo. Il y a un connard qui accélère avec sa moto là. Vespa, comme d'habitude, pareil. Vieille merde. Alors c'est parti, je te suis. Vas-y Bill. Let's go. T'as tout ce qu'il te faut. C'est bon. On va sortir là. Ah, je peux pas viser pour le moment. Bien, on y va. Fermez bien la porte surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Surtout ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul là-bas. Rigolais pas en parlant de lui. Ouais, y en a pas deux comme lui. Dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? Même pas il dit que Tess est morte quoi. Cette gamine? J'espère que tu sais ce que tu fais au moins. Alors on va où Bill? Mon autre planque. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Hein? Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Chut, il y en a un à l'intérieur. Oh putain. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Voilà, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression. Énorme. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Ah putain, comment il te l'a fini. Allez. Alors lui. Je sais que tu es un zombie. Bon, je déconne. Bon alors. On va récupérer un petit peu ce qu'il y a ici là. Tac, 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 voilà. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une! Faut qu'on m'a te la niquer. Arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Putain! Qu'est-ce qui se passe? Sérieux? Tiens-toi prêt! Tout ça? Ouais, faut. Qu'est-ce qu'ils sont là? OMG! Oh, du calme! Putain! Oh la merde! Oh non, pas lui! Pas lui! Ça one shot, c'est merde! Non, t'es sérieux! Putain de claqueur à la co! Allez, on se concentre! Il y a des pièges! D'abord, je m'occupe du claqueur! Très quoi. Toi aussi là. Vas-y dégage. Non alors le claqueur. Non pas le claqueur. J'aime pas le claqueur. Il va crever oui. Non 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 non. Mais arrête de me suivre moi. Mais putain mais c'est relou. D'accord. Putain de sa mère. Allez. Cette fois on va se concentrer à mort. Allez chercher là-bas. Ah dégage. Putain, vire toi aussi là. Putain, pas avec la cœur, pas avec la cœur, bordel. Putain, vire toi. Calmez. Non, Bill. Tu ne meurras pas, Bill. Dégage. Voilà. Non, non. Mais putain, mais... Non, t'es sérieux. Mais c'est quoi ce passage de malade? Putain. Ça commence trop dur là.
Putain, c'est bouffé à fraîche dans la gueule. Voilà, tu se dégages. Voilà. Non, mais meurs. Voilà. Il est où, claqueur? Bill, fais attention, c'est un bâtard. Merde, elle s'est pété la flèche sur je sais pas quoi. Va là-bas, c'est bien. Merde. Tu vas crever, oui. Faites quelque chose. Ok, il m'a sauvé. Yeah. Putain, sa mère, j'ai trop stressé. Bon bah voilà. Ta merde a syniqué ce flèche. Faut petit détail. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt, ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. C'est parti. On va allumer la lampe torche. J'aurais pu choisir un autre endroit où crécher. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont pas visibles. C'est normaux qui me foutent les jetons. Bien placé pour comprendre ça. Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ah, moi je sens qu'il y a un rapport avec Tommy. Il y a un petit rapport avec Tommy, je pense. On la prendra qu'à la fin. Bon, c'est par où? C'est au sous-sol. Ah d'accord, super. Quelle bonne idée. Voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme? Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. On peut pas dire à Bill qu'elle a le... Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Oh, oh. Un joujou. Vas-y, montre-moi ça. Voici une bombe à clous. Oh, c'est rien de spécial. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. C'est classique ça. L1R1, les groupes qui n'ont pas explosé peuvent être récupérés. Ok. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là.
Mais on s'en fout. Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Bon plan. On va récupérer un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Ça m'a l'air bien. Les balles fusil à pompe, tac tac tac. J'adore le mec, regardez. Un vrai rapace, récupère tout en 2 secondes. Voilà, c'est bon. Ah bah tiens, hop, ça tant qu'à faire. Voilà Bill, j'ai tout pris. On peut y aller, je pense. Are you ready? On va emprunter la grande porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Qui va? Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Eh hey, mec, j'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Mais franchement, il est con de pas lui donner une arme. Tout ça juste parce que elle ressemble à sa fille ou une connerie comme ça. Il est en stress. Mon dieu. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Ah, il est trop drôle. Alors. Allez, rassemblez vos affaires. Évidemment, on prend pas la sortie conventionnelle, nous. On n'est pas comme ça. Voilà. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. On ferme même pas la fenêtre? Elle s'est fermée toute seule, d'accord. Ah non, mais il y a ma lampe qui est niquée encore. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Allez. Ok, comme tu veux. Après cette porte, je serai en terrain connu. Je sens que Bill va mourir. Vraiment, ça craint s'il est dead, parce que j'aurai des remords quand même. Silence. Le mec, il veut survivre à tout prix. Hein. De toute façon, c'est quasi obligé qu'il va crever. Hein. Oh là, merde. Viens là toi. Je crois que c'est bon. Ouais. Ils ont rien sur eux. Dommage. Allez. J'avais pas envie de les éviter ceux-là, je sais pas, j'aime pas les claqueurs, ils me font trop stresser. Putain, il y en a 3, c'est relou. Qu'est-ce qu'on fait? Ça approche un peu trop là. Putain, il aurait fallu des surines. Oh Bill! C'est fou! Putain, heureusement que le jeu est un peu mal fait parce que sinon on se serait fait repérer comme des cons là. Lui. Mais Bill, arrête de courir. Oh. Putain, mais Bill, c'est un ouf, lui, il court. Là, si on se repère par sa faute, je pète un câble. Putain, horrible leur bruit, horrible. Mais Bill, putain, tu me fais trop stresser à courir à chaque fois. Oh. C'est horrible, j'ai l'impression que c'est les claqueurs qui m'ont repéré. Vas-y, Bill, ouvre la porte. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Le mec, il dit qu'il est en terrain inconnu, mais il a la clé. Sois discret. Sur ta droite. Doucement, doucement. C'est à droite qu'on doit aller en plus. Ah, putain, c'est là qu'on doit aller, fuck. Et comment on va faire? À gauche. Oh putain. Tu déconnes pas à propos de cet endroit. Hein. Arrête de courir Bill, vraiment t'es vraiment relou. Allez, vas-y. Allez, je pense qu'on est bon là. C'est parti. Ah, on peut pas passer. Ah si, voilà, comme ça.
Non, putain, il y a des claqueurs, mais c'est... Et elle est où? Il est où le lycée? Juste pour savoir. Oh putain. Non, 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 non. Dites-le. Oh merde, il y a un claqueur. Dites-le. Voilà. Putain, j'ai pris des risques là. Est-ce qu'il y a... Ils nous ont même pas repéré, claqueur de là-bas. Vous me donniez une arme. Je pourrais vous aider à buter ces enfoirés. Ferme boucle là. Putain, mais on peut passer par là, non? Le mec, il a dit de faire demi-tour, mais je pense qu'on peut passer par là. Oh, regardez. Voilà, putain, super ça. Non, ça a l'air bloqué finalement. Merde. Ah, c'est con ça. Attendez, yeah. Ouais, on peut récupérer ça. J'ai vu que le bâtiment était ouvert. Non, on va pas prendre trop de risques. On va passer par là-bas. Il y en a un là. Du coup, on a passé les claqueurs qui étaient juste en bas. C'est déjà... Oh là, merde. Il est où? Ça va, il regarde dans le mauvais sens, ce connard. Non, j'ai failli récupérer le bâton à la place de ma putain de batte avec des clous, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Eh, mais Bill, t'es vraiment relou. C'est impressionnant. Il me fait trop stresser, ce connard. Putain, malin paniqué, j'avais oublié ce détail. Qui n'en est pas un, d'ailleurs. Alors, c'est quoi, cette blague, là? Oh là, non. Oh, comment j'ai failli me faire repérer là. Bon, faut que j'aille où, s'il vous plaît? Il y a... C'est un cul-de-sac là aussi. Eh, mais je sais pas où il faut aller, c'est vraiment chiant. Hein. On peut pas passer par là. Hein. Où faut-il aller, s'il vous plaît, les amis? Putain, mais c'est n'importe quoi là. Là, y a... on peut passer dans la maison. Attendez. On n'y était pas déjà allé? Il y a des trucs déjà. Tac, 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 tac. Non, mais merde. Non, j'ai cru que j'allais changer d'arme. Heureusement que c'était pas le cas. Voilà. Les mecs, ils ont des flèches chez eux, quoi, normal. Est-ce qu'on peut escalader là? Non. Mais merde, mais moi je sais pas où c'est. Putain, mais quand c'est pas indiqué comme ça, c'est vraiment chiant, mais grave. Non. C'est pas comme s'il y avait 300 000 chemins. Ça dégage. Et bien le claqueur. Voilà, maintenant je vais pouvoir réfléchir calmement. Alors, où faut-il aller? Parce que si on suit ce petit chemin, là, non, là, ça mène à la maison, ça. Là. Tiens, dégage. Elle va crever. Voilà. Il y en a encore un en vie ou pas? Non, ça y est, vous les avez butés, super. Alors, fallait aller par là non plus. Putain, mais c'est... C'est quoi ce délire, là? C'est moi ou il n'y a pas de chemin? Les boules de quoi, là? Par le toit, là? Alors, où est le lycée déjà? Comme ça, ça va nous aider. Même quand on monte sur le toit, on voit pas. Il devrait être derrière ces arbres, je pense.
Ah super, j'ai trouvé le chemin. Ah. Eh bah putain, bah voilà. Par là. C'est bloqué. Bon, on défonce la porte. Où? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Ça là? La chatière, mais où elle voit la chatière, ce con? Eh, mais je comprends pas là. Attends. Ah, bah, il fallait appuyer sur triangle. Surtout, fais très attention. T'inquiète. T'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill. Comment il te lui a mis un vent? Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. Putain, c'est chiant. J'en ai ras le cul de ces claqueurs là, con là. Peut-être que cette porte là. Non, on va se faire opérer à cause de l'ambulance. Non. Non. C'est un claqueur. Putain, c'est un claqueur. Faut sûrement que je monte ces escaliers. Attendez, on va voir un petit peu par là. Oh là là. C'est un claqueur ou pas? On voit pas si c'est un claqueur, putain. Récupérer ça, ça. Est-ce que c'était le passage, ça? Ou on vient de faire un tour? Ah, super, c'était par là. Allez, on putain. Va, on passe par-dessus le camping-car. Ça devrait être bon. Allez, allez. Voilà. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qu'il y a par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il y a encore des zombies à l'intérieur, non? Allez, allez. Y'a pas de zombies? Je sens qu'il va y avoir une cinématique, on va se faire attaquer dans le derche, tu vas voir. Ou Bill va mourir. Non, Bill va mourir plus tard. Voilà. Super, y'a des flèches. Allez hop, tac tac tac. Mais mon arc, je l'ai plus. Attendez, maintenant pour changer. J'ai besoin d'un coup de main. Ah ouais, voilà, j'ai compris, d'accord. Besoin d'un coup de main? J'arrive. Power J est là. Je l'avais dit. Voilà le camion. Juste devant le lycée là-bas. Allez. Bon, on va se tuer tous les zombies déjà, je pense. On va se prendre l'arc. Se rapprocher parce que de là mieux que Robin des Bois quoi. C'est mieux de tous les buter. Non, moi je préfère tous les buter, franchement j'ai pas envie de me faire repérer à la fin comme un con à chaque fois. Moi quand je les bute, au moins je suis rassuré, ça en fait un de moins. En plus ils voient ceux-là. D'accord, on a compris. Dégage! Lâche-moi! Tiens! Oh les bâtards! Vas-y! Mais Bill, fais quelque chose! Lâche-moi toi là! Ah merde! Vite, vite. Merde, il tirait sur Ellie. Lâche-moi, toi. Oh, merci, Bill. Reste sur tes gardes. Ah, mais c'est mieux de les tuer, hein. Sérieusement, je vous jure. Au moins, là, on sait qu'on a plus de problème. Je préfère largement ça. Allez.
De toute façon, même si je veux être discret, je me fais repérer alors. Y'a que contre les claqueurs que j'arrive un petit peu à gérer. Les claqueurs sont trop chiants, vaut mieux pas les combattre ceux-là. Voilà, c'est bloqué, je fais demi-tour, hein, je suis con. Voilà. Putain, mais c'est quoi ces blocus qu'ils ont fait avec les bus quoi. En plus, ça a rien de faire des blocus si c'est pour avoir un chemin après. Meurs. Ouh, il en arrive de partout. Y'a Ellie qui se fait taper, bim. Voilà. Voilà. Ah, vas-y, on le démonte. Vas-y, voilà. Hein? Je t'ai pris pour qui? Nous, on est le gang, là. Vas-y, Cortex 91, les pyramides. Attendez, à pire que ça. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer? Quelqu'un a laissé une échelle sur le bus. Fais-moi grimper pour que je la descende. Allez, vite. Putain, mais t'as une force de meuf, Joël, sérieux. On va voir si t'as pas des trucs intéressants à récupérer. Merci, Bill. Je pense que sur ce camion, il y a des trucs. Merde. Non, y'a rien. Bon bah j'aurais bien essayé. Bien tenté on va dire. Allez hop, j'arrive les amis. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Allez. Merde, vous entendez? Ils arrivent. Où ils sont? Ils vont pas réussir à passer hein. Putain mais pourquoi ils arrivent à passer par cette porte ces connards? La porte est fermée? Merde. Il bouge ton fion. C'est bon, on peut y aller. Putain, il me laisse toujours derrière ces connards. Oh putain. Non. Ça va me tuer. Ouh j'ai fait. Bill, dépêche-toi! Allez, dis-moi que t'as fini! C'est vite. Quoi? C'est vite, putain! Les gars! Bill, on va où? On va où? Pas là, en tout cas! Allez, mange-toi, tu viens! Putain! Sérieux? Tout ça pour que ça soit vide. Bon, passons par derrière. Oh Bill, le pauvre, comment il doit s'en vouloir. C'est quoi, j'ai jamais compris c'était quoi ces putains de portes là. Enfin, ces putains de blocus. C'est de l'US Army, ils ont verrouillé toutes les portes. Crève. Putain, y a des claqueurs, non. Dégage toi. Putain, je me fais démonter. Tiens, viens là toi. Voilà. Je veux tuer le dernier ou pas là? Voilà, je suis au point. Dans le couloir, on pourrait passer par les salles de classe. Elles sont bloquées par les trucs de l'US Army. Quel intérêt d'utiliser des putains de trucs comme ça pour bloquer les portes quoi. Mais je vous laisse vous débrouiller là. On va où? L'étage, c'est bloqué. Là, il y a une salle de classe qui est ouverte. Qui est ouverte. Putain, c'est des claqueurs, fais chier. Merde! Pourquoi ils m'ont repéré? J'ai lancé la bombe, c'est tout! Par contre, faut m'expliquer pourquoi la bombe n'a pas explosé. Ouais, au moins ils sont morts, c'est déjà fait. Mais la bombe, elle a pas explosé.
J'ai peur parce qu'elle relâche du gaz là. Elle va m'exploser dans ma gueule à moi. Non, ça va, c'est bon. On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. Merde. Comme par hasard, là où il y a les zombies, c'est ça? Tiens, dégage. Vite, vite, mais non. Bon, merci les amis. Allez, aidez-moi encore là. Allez. Violez-les là. Voilà. Putain, la balle de pompe qu'on lui a mis, elle. Ouf. Allez. Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt? Allez, encore. Encore une. Allez. Il y en a d'autres en chemin. Ça marchera pas longtemps. C'est quoi? C'est un méga zombie? OMG, je l'ai. Oh, je l'ai capté le truc. Oh, comment je te l'ai pité celui-là? Qu'est-ce que. What the fuck? C'est quoi ces trucs? Putain, il t'envoie ses pustules dans la gueule. Putain, mais elles vont péter les bombes sur ta gueule, non? Arrête. On va les amener sur les bombes. Tu m'as sauvé, lui. Mais arrête de balancer ces merdes. Viens sur les bombes, l'ami. Non, putain, mais putain, je suis foncé sur son pustule, quoi. Mais quoi? What the fuck? Ok, qu'est-ce qu'il lui a pris? S'est jeté sur moi, il m'a ouvert la gueule en deux. Oh putain. Grenada. Grenada. Non, non. Mais putain, mais il me sprint dessus, c'est grave chiant. Il va crever, hein. Putain, on aurait dû donner un flingue à Ellie, fuck quoi. Allez, merci. Joli travail. Allez. Oh, quelle horreur. C'est pas vrai. C'était quoi ce truc difforme? Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, pigé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Donc moi aussi j'ai envie de foutre le camp d'ici. Hein. Par là. Allez, Ellie. Allez, on y va. Ah, c'est carrément okay. Bill qui y va. C'est parti. Ok, allez. Joël, non, derrière. Pourquoi moi? Faites-moi monter, faites-moi monter. Oh, les bâtards. Oh, putain, ils me font un peu à monter. Tiens, dégage. T'inquiète, je le prends à la batte. Voilà. Ouais, j'arrive. Attends, il y a des trucs là. J'arrive. Vous allez m'aider à monter, n'est-ce pas? Allez. Remonte-moi. Oh là là. Devient de mieux en mieux ce jeu. Excellent. Voilà. Oui, ils ont eu des zombies. Oh putain, on se fait déjà courser quoi. Continuez. Il passe là. Allez, allez. Il bouge ton cul là. Putain. La maison, vite.
s'en est bien sorti. Ok, je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se tout foutre. Ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. Oh la chance. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Allez, c'est parti. Nom de Dieu. Des trucs t'as tout voulu, mon gars. Et voilà, hop, des balles. Toi, tu vas juste me piquer ce que j'ai et filer, c'est bien ça, Franck. Tu devrais aller fouiller la maison, tu trouveras d'autres trucs utiles. Effectivement, ouais, on va aller voir. Alors. Et aussi, quand tu seras prêt à y aller. Je te préviendrai. En fait, Franck, il a tout tapé, ce connard. Hop. La bouffe, tac, 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 tac. Je suis plein de ciseaux. Fort. D'ailleurs, on va voir ce qu'on peut fabriquer. Alors, on va améliorer notre arme de mêlée déjà. On va créer les surines. Voilà, deux surines, ça devrait le faire. On va créer trois. Ça. Et il nous fallait des lames. Bah, attendez, on en avait là. Juste là. On ramasse ça. Et on va se fabriquer... une bombe. Ah, pourquoi ça ne marche pas? J'ai une lame pourtant maintenant. Bizarre, bon, c'est pas grave. Alors, on a le chiffon. Les trucs là. Ah, un chiffon. Non, un papier. Note de Franck. Bon, c'est bon, on va pas consulter, fuck. Alors. Pas aller à l'étage. Hein. Bon, bah, j'ai trouvé tout ce qu'il y avait dans la maison, je crois. Peut-être dans la cuisine, il y a des trucs intéressants. Alors, ah ouais, super, des pilules. Et d'ailleurs, on va voir si on peut pas s'améliorer avec les pilules. Alors, non, toujours pas. Santé max, c'est encore dans 10 pilules. Et on est bon. Yes. Prêt. Prêt. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Franck. Bon, on va arrêter de leur parler. Oui, oui, c'est bon, on y va. On y va. Ok, c'est parti. Vas-y. Passe la première. C'est déjà fait. Mais garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout foiré. Ok, libre. C'est bizarre qu'elle sache ça, quand même. Oh, vas-y. Accélère. Ça y est, elle marche. Bien joué, Kit. Allez. C'est bizarre que les zombies ne nous aient pas repérés là.
Bah voilà. Dégage. Juste lui fait chier quelqu'un, j'ai trop peur là. Voilà, c'est bon. Let's go. Oh, camion. Là, ça va rouler tout seul cette pente. J'arrive à atteindre la colline. Le fer redescend. Voilà. Voilà, c'est bon, allez, go. On n'a plus beaucoup de temps, on retourne pousser. T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu sais ça, Joël, hein? Merde. T'as vu ça, c'est pas mal. Arrête de... Voilà. Mais non, fallait pas le repousser direct, Bill. Bon, voilà, c'est putain. Ok, Ellie, prépare-toi. Voilà, ça part tout seul. Vas-y, Ellie, démarre. T'entends ça, Bill? Ouais. Allez, vite. Go. Putain, comment il y a le peuple d'infectés. Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok. Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Écoute, Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte? On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Ah, même pas Heber, Bill. Je suis content. Vraiment bien joué au scénariste, c'est super. Il se laisse pas avoir dans les classiques. Oh non! Eh, tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens, ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Il n'y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow. Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait.
Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatigué. D'accord. Oh non, non. Ah, super. On fait quoi? Fais chier. Merde, c'est pas un infecté. Fuck. Aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Tiens-la, toi, merde. Oh, espèce d'enfoiré. Allez, non, Joël ne meurt pas. Oh, comment il s'est pris dans la gorge. Oh putain. Ah là, je le sentais trop, le piège là. Dès que j'ai vu le mec arriver, je me suis dit, ah, s'il vous plaît, infecté. Tiens, mange-moi ça, connard. Tu vas voir. Putain de merde. Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux? Reprends. On s'en va. Ok. Attention. Merde. Non, coulé. Allez, on va se les niquer et on terminera l'épisode sur ça. Oh le bâtard. Tiens. Voilà. Il y a encore la musique qui marche dans la voiture. Ils sont tous morts. Oh le bâtard. Là. Voilà. Je crois qu'on est bon là. Oh putain. Sur le bus. Il a... Oh si, il a mis la bombe, mec. Oh le bâtard, d'où il sort lui? Putain, mais... Oh le... Oh, putain. Tiens, headshot. Faut faire le tour. Putain. Ok. Voilà, j'avais quasi plus de vie, quoi. Bien sûr, j'ai que ça à faire. Oh putain, mais comment tu l'as pas vu venir, Ellie, plutôt, quoi? Voilà. Putain. Oh là là. Ils sont coriaces, ces connards. Même pas on les entend. Soigne-toi. Allez. Oh le bâtard. Tiens, je vais niquer l'épaule. Il est où? Il est où? Je l'ai tué d'une balle dans l'épaule? J'y crois pas. Si, si. Genre, ouais, elle me répond. Je crois bien. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre. Attends, elle m'a répondu, je rêve. C'est quoi ce délire? Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien reçu. Allez, récupère. Hop.
tout cas, hors de question qu'on ressorte par là. On va où ? Bon bah de toute façon on va s'arrêter là, moi je récupère un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Ben j'espère que cet épisode vous aura plu, putain il était vraiment fur. Il y a eu du suspense parce qu'on sait pas comment va se continuer la BD. Et vraiment des petites scènes de comique, franchement c'était énorme. Donc voilà, ben, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss et à la prochaine.